Cette fois-ci, je me mets à poil, je pose mes couilles sur la table et je vous emmène à la pêche. Votre mission, c'est de me trouver un challenge. Ma mission, c'est de le relever. J'espère que vous êtes prêts, les gars, parce que moi, je le suis. T'es en train de faire quoi là? Là je prends ma carte de pêche parce que je me suis aperçu qu'il fallait une carte journalière pour les lacs d'Orient et j'ai que ma CPMA classique. Donc il faut que je, tout en restant excessivement prudent sur la route et en conduisant très doucement, je vais prendre ma carte de pêche en fait. Saint-Père, comment ça s'appelle? On était hier Ménil-Saint-Père. Ménil-Saint-Père, c'est ça. Ménil... Ah ouais, et puis sans les mains. Ouais, mais j'ai un genou bionique en fait, je me suis fait greffer une main, je me suis fait greffer un bras à la place de... Enfin, bah, ça va, là, c'est... ici les routes elles sont droites. Non, par contre j'ai fait des fautes quand j'ai écrit Ménil-Saint-Père, je vais avoir la carte de Tambouctou je pense. Non, parce que déjà qu'avec Morel on se lève à 9h, alors si en plus je passe une demi-heure à prendre ma carte de pêche, on va pêcher ce soir. Voilà, on y est à cette Mission Impossible première édition. On vient d'arriver sur le lac d'Amance, là, donc qui est un des trois lacs de la forêt d'Orient. C'est un lac que je ne connais pas du tout. On a bénéficié d'un petit coup de main là, pour avoir accès à la mise à l'eau. J'ai pris ma carte sur internet. Et puis voilà, on va partir à la découverte. L'eau est claire. Donc on est mi-mai là. Donc on va chercher des profondeurs pas trop importantes, je pense, dans un premier temps. J'ai aussi réussi à avoir une carte bathymétrique du lac qui va sortir en carte SILMAPS là, d'ici le mois de juillet avec les courbes de niveau. Donc j'ai une bonne vue là à peu près de ce à quoi ressemble le lac. Donc ça va me faire une bonne base de départ pour réfléchir à comment l'aborder. Voilà. Donc le défi qui m'a été imposé c'est sur des brochets. Donc je le rappelle, 4 brochets maillés. À 4 techniques différentes et la maille ici est à 70, donc ça va être assez challenging. C'est de la triche la bathymétrie? Bah c'est de la triche, non, c'est les outils du pêcheur moderne en fait, donc peut-être que le prochain défi je serai en slip dans une roselière à essayer de choper un brochet, j'en sais rien. Cheval. Mais là le défi a fait que voilà, on a le droit d'utiliser le sondeur, c'est des outils modernes. Et il se trouve que la bâtie était en cours sur ce lac-là. Donc grâce à Navicom, là, mon partenaire, j'ai réussi à avoir cette bâtie. Donc voilà, au moins, et c'est l'idée quand vous attaquez un nouveau lac, il faut un petit peu comprendre comment c'est fait. Les lacs de barrage, par principe, c'est profond près du barrage et peu profond à l'autre bout. Donc début de saison, il y a quand même des chances que les poissons soient encore sur les plateaux. Il y a le frais des poissons blancs qui va démarrer ou qui a démarré. Donc il y a quand même fort à parier que les poissons seront dans pas trop d'eau. Surtout que les herbes, normalement, mi-mai, ont commencé à pousser. Là, je ne sais pas comment c'est, mais l'eau étant très claire, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait déjà des beaux herbiers. Donc la base de réflexion, ça va être ça. Je vais chercher des plateaux avec quand même un accès rapide aux profondeurs parce qu'il y a 15 jours en arrière, et puis même maintenant, là, il y a eu un bon coup de froid. Donc c'est possible que les poissons fassent encore un peu le yo-yo et ne soient pas trop établis sur les plateaux. Donc là, on va sortir du chenal. Et puis je vais essayer de zoner peut-être autour de cette pointe d'île. Donc j'ai mis en surbrillance en fait, c'est-à-dire en rouge, toutes les profondeurs inférieures à 2,50 m.
Comme ça, ça me fait une bonne base de départ. Je me dis que à cette saison, les poissons devraient être autour de, allez, on va dire entre 2 et 5 mètres. Peut-être ils seront un peu plus profonds, je ne sais pas. Au fur et à mesure de la pêche, par exemple, si je prends toutes mes touches dans 4 mètres, je vais mettre ma surbrillance sur 4 mètres. Donc comme ça, j'aurai bien mon contour rouge sur la profondeur que je souhaite pêcher. Donc visuellement, ça me fera un repère vraiment efficace et en pêche, je ne vais pas perdre trop de temps. Je vais couper en fait cette langue qui s'avance, là, peu profonde. Donc je suis passé de 9 à, là, il y a 4. Donc ça m'a permis de voir à quelle profondeur démarraient les herbiers. Je l'ai vu sur mon sondeur 2D. Donc là, j'ai des herbiers qui montent assez haut, qui démarrent dans 4 mètres. Et après, j'ai des herbiers ras qui vont descendre jusque dans peut-être 6 mètres 50, 7 mètres. Donc je vais quand même avoir trois types d'endroits à pêcher potentiels. Au-delà de 7 mètres sans herbe, enfin 6,57. Entre 6,50 et 4 avec des herbiers ras ou en train de pousser, et à moins de 4 avec des grandes tiges qui montent jusqu'en surface. Donc aussi dans mes 4 techniques, bah ça va m'orienter un petit peu. C'est-à-dire si je vais pêcher dans moins de 4, à cause de toutes ces herbes qui montent très haut, je vais sûrement choisir un spinner ou un truc qui va passer bien dans les herbes. Dans la frange 4, donc 4,7 avec ces herbiers un peu ras, je vais pouvoir pêcher au leurre souple, je vais pouvoir pêcher au chatter, voilà, des choses comme ça. Et puis après, dans au-delà de 7, bah, je peux tout faire, il n'y a pas d'herbe. Je peux utiliser n'importe quoi, un crank très plongeant ou des choses comme ça. Donc je vais me décaler légèrement sur la zone où ça s'infléchit un peu, où la cassure elle se rapproche un peu du plateau. Et ça me paraît être une bonne zone pour commencer. Au moins, on va prendre la température là, on va voir si on arrive à faire une ou deux touches, quoi. Là, en fait, j'ai démarré donc peu profond au-dessus des herbiers, en me laissant dériver, en orientant une dérive vers le profond, donc vers les zones où il y a moins d'herbe. Arrivé dans 6 mètres, j'ai eu une touche que j'ai ferrée dans le vide, et le poisson m'a accompagné au bateau. C'était un poisson de 75 à peu près. Tiens, poisson. Ah là, c'est pas pareil. Ça va être bien maillé, je pense. Alors, je vais continuer mon explication. Donc j'ai eu un poisson de 80 donc, que je perds pas en fait, qui m'accompagne au bateau. Et après j'ai un 75 à peu près qui a mordu pas très loin du bateau. Allez, donc la partie leur souple, elle est faite, c'est pas gros. Quoi, qu'il est maillé celui-là? Bah oui, par contre, je pense qu'il en a rencontré un qui était plus maillé que lui en fait. Wow. Il s'est fait ouvrir le ventre, le pauvre. Donc oui, j'ai orienté ma recherche dans les 6 mètres. J'ai perdu un autre poisson de genre de 75 qui a mordu à 2 mètres du bateau sur une récup rapide. Et puis là, j'ai fait 100 mètres de dérive sans rien. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas vraiment la pêche. J'ai eu le temps de faire 3 lancers côté large avec un répliquant 18 pour pêcher justement cette zone sans herbe. Et là, j'ai pêché genre... au moins 2-3 mètres au-dessus du fond, en cranking avec mon répliquant 18. Puis voilà, il y a ce poisson qui est pas géant, mais qui va être suffisant pour marquer le premier point de Mission Impossible. On va le mesurer. C'est pas 50 la maille là, ici. Eh ouais, c'est 70. Donc hop. Et c'est réussi, ça fait 78. Donc, voilà le premier point, premier poisson de Mission Impossible, un petit broc de 78 pris au répliquant, donc au swimbait on va dire. On va changer de technique. Bah, c'est mon premier brochet des lacs d'Orient. Ciao. Numéro 1. Alors, je l'ai pris au répliquant en jetant vers le large et en ramenant bien décollé du fond. C'est-à-dire 2-3 mètres au-dessus, je devais être dans
aller dans 9 mètres d'eau, un truc comme ça. Donc ça ne me rassure pas du tout, parce que les autres techniques que j'ai prévues, en fait, sont des techniques pour pêcher peu profond. Parce que la logique, au mois de mai, voudrait qu'il soit peu profond. Donc là, j'ai mis mon deuxième leurre. J'ai mis un slider 12, plongeant, un petit salmo. Donc j'ai quand même un peu d'espoir, parce que les deux premiers poissons que j'ai ratés sont montés quand même, au-dessus du fond. Donc j'ai bon espoir qu'en ramenant mon fatso entre deux eaux, il y en ait un qui monte pour l'intercepter. Pas un slider. Pardon, un slider 12. Je les confonds. En fait, tu connais rien. Je connais que dalle. C'est un poisson nageur, quoi. J'allais dire la marque. Ben là, il y a deux solutions pour le slider. Soit le jerker avec des petites jerks courts. Comme ça. Paf, 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 paf. Là, il va faire droite-gauche sous l'eau. Et ce que je préfère lui faire, en fait, mais ça marche pas toujours, c'est une récupération linéaire, et là il va faire des grands S tout seul, c'est un truc un peu mou, un peu nonchalant là, et ça marche pas mal sur les brochets, surtout quand ça mord pas des masses. Bon là, je peux pas dire si ça mord en fait, hein. J'ai pris, ça fait quoi, 3 quarts d'heure peut-être qu'on pêche, j'ai pris 3 touches, mais bon, au leurre souple, donc je connais pas le potentiel du lac, je connais pas les zones, je peux pas dire pour l'instant si ça mord ou si ça mord pas, quoi. Un signe, ça compte? Ouais, il fait 70. Il va faire 1m70 d'envergure, minimum. Parce que si tu fais 140, ça compte pas pour deux, ça compte que pour un. Ah bon? Ouais, c'est pas 2x7. On peut pas les couper en deux, quoi. Mince. Ah, il m'arrive qu'il n'y a pas un max de touches, c'est magnifique, t'as envie de mettre un brochet tous les mètres, mais c'est pas dehors, quoi. J'en ai perdu un joli au spinner là, je pensais qu'il, je le voyais dans le bateau, il était bien pris, pas loin du bateau là, décroché. Donc là, c'est pas terrible, il y a le vent qui a l'air de vouloir se lever, ça va nous aider, c'est sûr, pour cette pêche là pas profonde, autour des herbiers, il y a beaucoup de gros massifs d'herbes. Donc j'ai raccourci mes lancers et j'essaie en fait de passer entre les massifs d'herbiers. Donc c'est une pêche un petit peu plus précise, un peu à vue finalement, puisque j'essaie de voir où c'est un peu plus sombre, où il n'y a pas d'herbier, pour passer entre. Donc là je suis occupé à faire le tour des gros massifs d'herbe au spinner. Donc j'ai mis un spinner lourd qui me permet quand même de pêcher assez vite, parce qu'il y a une multitude de petits coups à pêcher, donc je veux un truc qui coule relativement rapidement. Hello, tu l'as loupé. Oui, bah ça va, je l'ai loupé. Je l'ai loupé, là, il m'a pris, il est sorti de l'herbier comme une balle, je l'avais pas vu, dans l'eau est très très claire, donc je l'ai bien vu attaquer. Il s'est retourné, j'ai ferré, il était dessus, et puis je l'ai perdu. Fin du bal. C'est le combien de temps que tu loupes aujourd'hui? Le
Non, mais enfin bon, compter, ça n'a pas de signification parce que. Ouais, c'est quand même le troisième. Ouais, c'est le troisième parce que t'arrêtes pas de me parler, tu m'emmerdes. C'est ça. Voilà. Donc en fait, on aurait pu. On la mission aurait pu être non, accomplie. Mais non, puisque les trois premiers, c'était des touches j'ai obtenues facilement sur un leurre souple. Donc non, par contre, j'aurais pu cocher la case numéro 2, là, le spinner. Et je l'ai bien foiré. Bah là j'ai changé complètement de côté du lac parce qu'il n'y avait pas beaucoup de touches. J'en ai raté un correct au spinner, c'est tout. Donc là je suis venu complètement vers l'aval pour avoir une config différente. Et puis surtout parce que le vent souffle de l'amont vers l'aval. Donc je pense qu'il va prendre un petit peu de vitesse là et que ce soit un petit peu plus favorable. Quoi. Je recherche toujours la berge la plus brassée, notamment l'été ou au printemps. Quoi. Donc qui est susceptible de réchauffer un peu. Et puis ça brouille vraiment le signal pour eux. Donc nous on est moins visible et les leurres sont en général un peu plus efficaces. Donc là je suis venu me mettre en rive gauche avant le barrage. J'ai vu qu'il y avait une petite arrivée de rivière. Donc il y a des déclivités, il y a de quoi pêcher quoi. On va essayer là. Il a pris pour les autres. Hein. J'attendais la touche depuis un bon moment. Oh, il est pas maillé, les boules. Bon, et bah tant pis. Allez, paf, dégage. Petite interview, la traversée du désert au fond du trou. Au fond du trou, non, je commence à être un peu dans le dur là. Parce que j'attendais impatiemment un peu de vent et moins de lumière pour pêcher les plateaux. Et là, on les a. On pêche les plateaux. Et j'ai fait un brochet de 55 au spinner. Et c'est tout ce que j'ai vu. Ça fait quand même pas mal en temps cumulé là. Et ça confirme bien ce qu'on a vu ce matin au leurre souple. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt profonds. Et mon problème, c'est que sorti du leurre souple, pour pêcher profond, je suis un peu embêté. J'ai essayé avec un spinner très lourd, avec un chatter très lourd, mais l'action est pas bonne pour pêcher ces profondeurs-là. Quoi. Donc là, je me suis rapproché, je me suis mis vraiment sur une cassure. Donc je suis à la fois pas loin du profond et pas loin du plateau. Donc ça me permet de faire un coup de chaque côté. D'essayer de mettre les chances de mon côté, mais pour l'instant ça va pas. C'est surtout que je suis dévoré par l'envie de mettre un leurre souple et de pêcher au large des cassures parce qu'on l'a vu ce matin, quoi, j'ai pris 4 touches en 3 fois rien de temps, donc je sais que la pêche elle est là. C'est toute la difficulté de Mission Impossible en fait. C'est quand tu as trouvé la pêche qu'il faut pas. C'est que j'ai trouvé vraiment vite, enfin vite, c'était ce qu'il y avait de plus logique aussi, mais ça a bien confirmé que c'était ça et là je suis obligé de faire autre chose. C'est dur. Putain, c'est dur.
voyez. C'est une saucisse, hein. Je sais pas, il va pas lui en manquer beaucoup, mais je pense qu'il va pas l'être. On va voir. Alors, verdict, petit animal. Tiens, t'as un joli plan là. T'as les deux têtes de brochet. Alors, la mesure. Il n'a pas manqué beaucoup. Il est tout effilé. Alors, hey hey, 71. Yeah. 2. Au spinner, c'est fait déjà. Ah. Yes. Bon. 71. Celui-là, putain. Ouais, c'est perte de temps un peu parce que. Parce que j'ai perdu un joli d'entrée au spinner, c'est dommage. Donc du coup, je ne l'ai plus lâché. J'ai essayé de jouer sur l'éloignement des herbiers. Je sais qu'ils sont plus profonds, mais le problème, c'est pour pêcher vraiment correctement dans cette profondeur-là. C'est là toute la difficulté. Donc voilà, bah faut que je change de leurre maintenant. Hein. Celui-là, on range. Là, je change de... Il y a moins de lumière. Puis là, je vais pêcher en décalé des herbiers dans plus d'eau. Donc j'ai mis un chatter un peu plus voyant. Je vais pêcher plus profond aussi. Donc on va faire ça. Je mets un petit chat dans trailer. Ça fait un peu plus d'action. Voilà. Paf. Voilà. Donc j'ai pêché avec ça. Donc j'ai pris un 28 grammes. Ça va me permettre de pêcher bien profond. Parce que là on a du mal à avoir des touches dans moins de, on va dire dans moins de 5 mètres. Donc en pêchant un petit peu plus lourd, je vais réussir à normalement à pêcher où il faut. C'est voyant là, non ? Bah, je me surprends, ouais. Il y a deux options normalement. Soit de faire comme ça, de la mettre vite fait avant, soit d'attendre d'être trempé. Je vais essayer d'être un peu moins con que d'habitude et de la mettre en avance. Parce que là, ça arrive tout noir derrière, là. C'est parfait pour la pêche, ça m'excite. Grave. Ouais. Moi, nettement moins. Bah oui, mais moi, ça m'émoustille en temps pareil. Je suis hyper excité, le problème. On risque d'être un peu mouillé, mais pour la pêche, ça va être bon. Là, j'ai arrêté de pêcher 5 minutes, non pas parce que j'ai peur de la pluie, mais parce que ça a vraiment craqué juste au-dessus. Donc ça sert à rien de risquer sa vie. On a arrêté, là c'est en train de passer. J'en ai profité pour monter un crank. Donc j'ai fait une petite. Je l'ai mis dans une boucle en fluoro là tout simplement. Et on va essayer ça. Moi je dis que ta boucle fluoro, ça va finir en. Oh. Mais non, Morel. Un crank dans la gueule qui se bat. Tais-toi, Morel. T'es un oiseau de mauvaise augure. C'est ça. Ouais. Elle est propre, ma petite boucle. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est finesse. Putain, temps de merde. Qu'est-ce que je fous là ? Allez, feu. Merci, hein, les gars, pour cette mission de merde. Hein. Et bah donc j'ai un petit crank Hornet là, Salmo, coulant. Donc j'essaie en fait, je
le laisse couler un petit peu au début. Après, je le ramène canne basse tout droit. J'essaie de descendre chercher les poissons où ils sont, quoi. C'est vraiment toute la difficulté de la mission aujourd'hui, c'est qu'on a des poissons qui montent pas, qui sont pas dans moins de 5 mètres pour ainsi dire. Et du coup, ça complique énormément la tâche parce que je suis obligé de détourner les usages des leurres avec lesquels je comptais pêcher. Là, je pense que je vais m'arrêter, je vais bricoler autre chose. Je vais me faire un shad à palette avec les moyens du bord. Je vais essayer avec juste une palette à visser, mais je suis pas sûr que ça marche. Mais... je vais lui scalper la queue. C'est ce que j'avais pas pensé, mais c'est une technique à part entière. Donc ça doit compter dans le challenge. Et ce que j'avais sorti, ça pêche pas assez profond. Donc ça va pêcher assez profond, ça peut déclencher des touches de réaction. Parce que je pense qu'il y a quand même du poisson dans ce lac et il y a l'air d'avoir pas grand chose d'actif. Donc j'ai envie de déclencher des réactions. Donc je vais essayer ça, je vais lui mettre un petit stinger quand même. Et puis je vais sortir une canne avec un moulinet avec un ratio élevé. Parce que c'est une pêche en traction et je vais avoir besoin de récupérer du mou assez rapidement. Alors là, je suis dans le dur de chez dur. Là, je suis un peu en difficulté. Là. Parce que j'ai un bout de pêche qui s'est dessiné et que je peux pas appliquer, ça me rend dingue. Là, j'essaie de prendre des poissons avec le leurre qui est pas le leurre du jour. Et c'est dur. Parce que y a des poissons à prendre et que je suis obligé de faire autre chose. Et ça, pas facile. Hein. Du coup, tu commences à parler hésitant. Ah, là, si j'en prends un, là, je le marave la calotte de ses morts. Psychologiquement, c'est dur. Là, c'est un choix. Ouais, là, je suis dans le dur psychologiquement parce que. Ouais, je regarde, je vois des leurres que j'ai envie de mettre et je peux pas parce que j'ai déjà pris un poisson avec ce matin. Et je sais que. Ouais, il me rapporterait des touches, quoi. Enfin, je pense. Donc c'est pas facile, donc du coup je vais peut-être faire l'approche inverse, je vais regarder ce que j'ai comme leurre avec lesquels je dois prendre et je vais essayer de chercher des poissons en fonction en espérant qu'il y a un ou deux poissons qui traînent et qui veuillent bien mordre. Donc on va retourner faire une bordure. On peut pas dire que ce soit gros, mais c'est pas petit non plus. Putain, ils sont vaillants. Il est chaud là. Il est chaud. Gâteau. Poum. Trois. Chatter. Le chatter. Sur un stop. La petite passion. Ah, il m'a chopé le doigt. Niqué. Ah la voilà. Vache. Il y est bien. 80. Oh, ça va. Bingo. C'est carrément pas fait, non? Parce que maintenant, je sais pas à quoi je vais pêcher, quoi. C'est ça le problème. Bon allez maman, réfléchissement, Jean-Pierre. Bah je vais surtout ranger ma canne au chatter quoi.
Allez. Du coup, bah, il reste, Je vais mettre. Je vais mettre un crank. Je pense, c'est plus que ça. Elle est l'ordure. Je cherche un petit pansement. Tu pisses le sang. Non, non. Non, c'est pas pisser le sang, mais. Tissé, rigide, aéré, hypoallergénique. Voilà. Ça, non, regarde. C'est un sac poubelle. C'est faire une poupée. Bon, sac poubelle. Ah, c'est quoi cette histoire? Mais c'est dégueulasse. Ah, bah d'accord. Je sors un truc pour pas me tâcher, c'est de la. C'est de la bétadine. C'est de la bétadine. Un jour, tu pars en humanitaire, les pauvres gosses, ils sont pas pareils. Ah, ils sont mal. Ouais. Ça risque pas de m'arriver parce qu'il y a rien à bouffer là-bas. C'est clair. Tiens, pan, une poupée. Voilà, j'hésite. Ouais, j'irai plutôt pour le Hornet. Hein. Belle porte, belle bordure d'herbier. J'adore le Hornet. Allez. Je te dédicacerai. Donc là, je pêche une jolie bordure d'herbier. Il y a des gros massifs et après, ça tombe assez rapidement. Donc je pêche là avec un crankbait. Un gros salmon plutôt. Et en temps normal, je me collerais plus à l'herbier. Je ferais des lancers beaucoup plus parallèles. Et puis je pêcherais beaucoup plus vite. Mais là, étant donné qu'il n'y a pas trop de touches et que les poissons ont quand même tendance à se tenir profond, du coup je reste dans 4 mètres, entre 4 et 5. Et du coup mes phases de pêche sont plus lentes, mais je pense que ça peut être payant quand même. Ouais. Oh, pété à la presse. Mais non. Oh, ah, j'ai pris une grosse touche. Oh, je suis vert. Et ben, j'avais le poisson du. Le dernier poisson de Mission Impossible, quoi, qui me faisait réussir ma mission. J'ai pris une super touche sur un gros crank salmo là. Et j'ai cassé au ferrage. Comme une buse. Donc je suis pas fier. Je pense que j'ai dû négliger un peu le nœud là. En fait, j'ai cassé à ce nœud de raccord entre le petit fluoro et le gros fluoro. Putain. Merde. Ah, j'ai pris une vraie bourre. C'était joli. Tant pis. Bon, par contre, c'était mon dernier gros hornet. Eh ben, j'hésitais avec le perche, je vais mettre le perche. Et l'autre, il nageait à la bonne profondeur, il était bien. C'est dommage. Parce que j'ai pris la touche loin du bateau, pour une fois, j'ai pas ferré comme une brute. C'était dosé, et j'ai cassé quand même. Ah putain, c'est naze. Ah non, sérieux, c'est nul ça. Casser encore une journée où ça dévore. Bon, une journée où ça dévore, le challenge, il serait déjà fait. La mission serait remplie, mais là, il faut se les gagner les touches, il y en a peu quoi. C'est ma première touche avec ce gros crank de la journée là. Enfin, ça fait pas longtemps que j'y pêche, mais c'est la première touche. Je l'ai cuté lamentablement. Merde. Tu vois qu'il a tenu mon nœud. Ouais, ton nœud a tenu. Ouais. Il reste 3 quarts d'heure, 1 heure. C'est la dernière chance. C'est ça, alors t'as mis quoi là? J'ai remis mon Hornet 9, ouais. Celui que j'ai perdu sur la casse là. Ouais. Et par contre, je l'ai plus qu'en fluo. Donc je suis revenu là parce que le leurre, bon, pêche bien. Et c'est un petit peu plus trouble dans cette anse là que sur le reste. Donc je pense que mon fluo devrait faire l'affaire là-dedans. Allez. Feu! C'est ça. Oh, cassé encore. Mais c'est pas possible. Le poisson était au bout. Hein. Oh, c'est pas possible. Bah, il s'est passé que j'avais un poisson. Enfin, j'ai pris une belle touche, j'ai ferré et j'ai pété en plein milieu de la tresse au ferrage. Alors bon,
Le leurre est là, donc ça va, le poisson l'a pas gardé, mais c'est une vieille tresse, mais... C'est quand même pas normal, faut que je vérifie des fois quand on casse la tresse, parce que là j'ai pas fait effort en plus. Il faut regarder les, si on n'a pas un anneau d'abîmé, parce que c'est souvent ça qui les abîme. J'ai quand même fait l'exploit de casser deux fois. C'est un truc qui arrive jamais. Ouais. Et c'est toujours le quatrième qui ne vient pas. Ouais, mais ça c'est le, ça s'appelle gérer le suspense en fait. C'est ça. Ouais. Ça c'est. Donc, les gens ils continuent à regarder la vidéo jusqu'au bout. Exactement. Donc restez là, n'allez pas aux toilettes, ne coupez pas, ne regardez pas le foot. Sylvain va faire son dernier poisson, ne vous inquiétez pas. Là c'est de la gourmandise quand même. Deux cassés de suite. Le caméraman est au bord du fossile. Surtout en... au bout de ma vie là. Surtout en plein milieu de la tresse comme ça, au milieu de nulle part. Alors c'est une. C'est pas une fox en fait, c'est un ancien moulinet, donc c'est une bip. Donc voilà. Là on a fini quasiment, je vais juste, il y a un petit chenal là qui sort, qui est la sortie du port en fait. Donc je vais mettre 2-3 coups de crank ici avant d'arrêter. Parce que pour l'instant la mission n'est pas remplie. Voilà, donc je mets vite fait, on est attendu en plus, donc on ne peut pas faire le coup du soir. Et voilà, je mets quelques coups de crank ici à 5 mètres et c'est la première fois que je vois du fourrage de la journée en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Allez. Bon ben voilà, la première mission impossible qui s'achève. Donc ben, on a été assez doué pour trouver le nom, parce qu'en fait c'était vraiment une mission impossible, puisqu'on ne l'a pas relevé. En fait, j'ai pas été très très bon sur la fin là, en perdant deux poissons au crank. Mais bon, j'ai eu les touches, donc il n'y a pas à se plaindre. Je pense que le curseur de difficulté était bien placé. On aurait pu et dû la relever en fait. Voilà. Après, ben voilà, super découverte, un beau lac, plein d'herbiers. Vraiment bizarre de ne pas avoir trouvé de poisson on va dire, à moins de 4 mètres. C'est assez surprenant pour la période, l'eau est à 14. On n'a pas vu âme qui vive en fait dans pas d'eau. Entre 0 et 4 mètres, il n'y avait rien. Et j'ai passé quand même vraiment du temps à essayer de déclencher des poissons dans cette frange de profondeur, parce que 0,4 mètres c'est là où on peut pêcher avec la plus grosse diversité de leurres en fait. Donc j'ai vraiment passé du temps à le faire, j'ai pas réussi, du coup j'ai dû adapter, dévier les leurres et les techniques de pêche peu profonde pour pêcher dans beaucoup d'eau, avec une efficacité qui a été un peu limitée quoi. C'est-à-dire qu'en débutant au leurre souple ce matin, j'ai dû faire 3 touches en 45 minutes, rentrer un poisson de je sais plus combien là, 80 ou 78. Et la pêche était là quoi, elle était en décalé des cassures au leurre souple. Et j'ai pas été vraiment efficace avec le reste. Mais bon, ça c'est la règle du jeu du challenge quoi, de Mission Impossible. C'est vraiment le défi qui m'avait été fixé. Donc voilà, j'ai eu les touches pour le relever, manqué de réussite sur la fin.
Mais c'était une super expérience, j'espère que vous avez apprécié. Et puis il va y en avoir d'autres. Voilà, on vous en prépare une pour dans une paire de mois. Ah ben ça c'est moins sûr. Hein. On verra. On verra. Et on a pêché combien de temps? Eh ben je sais pas, on a démarré vers 9h je pense. Il est 6h. Voilà. Ni coup du matin, ni coup du soir. C'est un peu dommage. Ouais. Mais bon, là on n'a pas le choix, on est attendu, donc faut y aller quoi. Okay. Allez, à bientôt. Ciao.